La réponse est non. Caro Garcia. Peut-être aussi son niveau. Est-ce qu'il y a encore un pilote dans l'avion, avais-je titré, c'est pas passé, ça s'est fait retoquer. Je suis heureux de l'apprendre. Seule tête de série française pour vous dire à un quel pilote point dans sa tête. Le tennis français va bien. Mais bon, après, une tête de série, elle est cinquième. Tête de série numéro 5 jouera la chinoise Wang Xiu au premier tour de Roland-Garros, ce qui est un bon tirage sur le papier, mais pas tant que ça, puisque la chinoise est allée un tour plus loin qu'elle à Rome. Et à Madrid aussi, hein. Attention, elle a fait mieux à Madrid. C'est-à-dire au deuxième, non? Troisième. Non, elle est, elle est en huitième. Elle fait huitième de finale sur l'un des deux. C'est les gauchères. Oui, elle fait huitième. Hein. Donc c'est les gauchères. Stable émotionnellement. Est-ce qu'il en faut beaucoup plus? J'allais dire. J'ai eu son agent il n'y a pas plus tard qu'hier. Laissez-moi. Wang Xiu bat très bien. Laissez-moi terminer. Comme Peng Shuai ou un peu moins. Oh, non, mais je ne peux pas tenir ses enfants. Voilà. Garcia, tu as l'impression que tu lui mets la 200e mondiale ou Sabalenka direct. En fait, que ça peut être c'est la même chose parce que ça va partir soit comme ça, soit comme ça. Contexte. Ouais. La dernière conférence de presse terminée dans les fleurs. T'en fous l'adversaire limite. La cour d'elle. Sa dernière conférence de presse, messieurs, c'est terminé. L'arme de crocodile de sel après son élimination dès le troisième contre Osorio, 6-4, 6-4, centième mondial. Bon, Osorio, après sur terre battue, c'est peut-être pas centième mondial, mais quand même, ça résume complètement les tournants de notre carreau. Je vous donne une citation, vous la commentez après. Ça m'affecte de faire ce que je fais sur le terrain, de ne pas bien faire, tout simplement parce que je suis concerné par ce que je fais. Je fais les efforts, j'ai l'impression de faire les choses bien et que j'ai envie d'aller au bout. Sauf que quand j'arrive sur le court, tout ce que j'ai bien fait à l'entraînement, je le fais pas. Ça, c'est pas la première fois qu'on entend ça chez Garcia. Enfin, Garcia, c'est vraiment comme ça. Mm. Et qu'il y a ces périodes où elle tape comme une brute et que, je sais pas, elle a la bonne attitude, tout rentre. Et là, en novembre dernier, au moment après l'US Open, le Masters, c'est tout, de fin d'année. Et là, tu interroges tout le monde. Ah, ça y est, elle a trouvé l'équilibre entre vraiment la prise de risque, même si elle fait des fautes, elle change pas de ligne directrice, elle a trouvé son truc, c'est bon. Et puis, 4 mois plus tard, elle veut gagner un grand chelem au début de cette année. Et puis, 4 mois plus tard, t'es là, je sais plus ce que je fais, je mets tout dans le filet. Non, mais il se passe un truc quand même. Elle a choisi d'expulser toute sa frustration par le rire. En fait, moi, je me demande encore comment c'est possible d'avoir, à son âge, parce que Caro. Oui, non, mais moi. Elle a combien? Non, mais je pense que maintenant, il faut se faire à l'idée que Caro, elle peut monter très haut, très vite. Mais juste, je pense qu'elle, voilà, comme si elle a 28 ans. Et moi, je me rappelle très bien qu'on avait pu en parler parce qu'elle fait demi-finale de l'US Open et tout le monde se disait « bon, c'est la première paire ». J'ai fait « non, si elle ne gagne pas l'US Open, ça se trouve dans 6 mois, elle ne gagne plus un match ». Caro, quand elle joue, il faut y aller. C'est maintenant. Il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre parce que dans 6 mois, elle peut ne plus mettre une balle. Alors des fois, tu ne te demandes pas si c'est pas du sabordage volontaire parce qu'effectivement, elle se sépare, ça fonctionne. Et tu apprends dans 3 mois que l'entraîneur n'est plus là, la préparatrice physique n'est plus là. Et l'entraîneur, il revient. L'entraîneur, il revient, mais le truc est cassé, ça repart pas comme ça devait repartir. Bon, bah moi je pense que Caro, faut se faire aider, elle a 28 piges, elle changera pas. Elle peut peut-être encore nous offrir. Elle nous a offert deux périodes incroyables dans sa carrière, 6 mois à peu près. Peut-être qu'il y en a une troisième qui arrivera, mais peut-être que d'ici là, elle va encore retomber 40e mondial. C'est clairement pas maintenant. Franchement, je serais très étonné que sur ce Roland, ce soit. Elle peut passer 2-3 tours avec un bon. On va dire, avec un tirage potable, si t'as pas trop, tu peux passer 2-3 tours. Mais en plus, c'est pas sur Terre qu'elle va rentrer. Son bilan. Son staff, chercher des personnes, elle est en train de faire des tests. Et de... c'est quoi cette manière de fonctionner? Ah, mais Roland, ça va être carré quoi! Mais surtout, on n'a pas compris ce qu'il y avait, pourquoi. Ouais. Oui, mais qu'est-ce ça, on s'est passé. Mais c'est Perret qui est parti de lui-même. Hein. Ouais, mais il est parti de lui-même parce que visiblement, il y a un truc qui allait plus. Exactement. Il revient après, mais il revient, c'est cassé, c'est dur à réparer. Parce que c'est vrai que la confiance dans un joueur de tennis, c'est quand même très évanescent. Une fois que c'est parti, ben, tu peux courir après à maman. C'est le fameux « je suis dans la zone » et quand tu n'es plus, ouais. Tu es plus, ben, bonjour pour le retrouver. Tu ne comprends plus pourquoi. Moi, c'est vrai que je pense que malheureusement, Caro, en plus, là où elle n'a pas de chance, c'est qu'elle fait toujours ces 6 mois où elle cartonne, mais genre en Chine ou des trucs loin en fin de saison. Et alors qu'on aurait eu envie, et je trouve qu'elle aurait mérité d'être injouable sur 4-5, de février à juillet, et on aurait pu sur un Roland se dire « allez, c'est peut-être son Roland, elle va peut-être faire quart, demi, finale, tu ne sais pas ». Bon, bah là, moi, je pense... Mais elle peut encore, pour moi, nous offrir, avant la fin de sa carrière, pareil, 4 mois comme ça, où elle va envoyer des menaces de partout et ça va rentrer. Mais tu sais jamais quand ça repart, quoi. Ouais, juste que ça tombe bien. Parce que là, elle gagne plus un match, donc elle est 5e mondiale. Et là, elle va arriver dans la zone où elle a gagné tous ses matchs. Je vous donne le bilan. Alors, elle a pas de... ce qui est bien, c'est que là, elle n'est pas au summum de sa pression.
Ce qui va être le pire, ça va être à partir de Badenbourg où elle a commencé à gagner l'année dernière sur gazon. C'est juste après ça. Ouais, c'est vraiment après Roland, c'est dans un mois. Donc c'est dans un mois vraiment qu'il va falloir s'inquiéter pour le classement WTA de Caro. Ouais. Là, depuis le Masters, donc depuis le début de la saison 2023, c'est 22 victoires, 11 défaites, 0 titre, 2 finales quand même à Lyon et Monterrey. Mais ça, c'était en février. Et c'est ça commence à remonter. Voilà, en début d'année, c'était correct. Janvier-février, c'était pas ouf, mais correct. Après. Ouais, j'ai envie de dire. Genre depuis mars, elle passe pas. Elle fait quoi, deuxième tour maximum, quoi. Deux, trois, tu gagnes deux matchs. Donc au pire, c'est la dégringolade à partir du gazon. Au mieux, on se dit qu'elle va nous refaire la même chose que l'année dernière. Le pire, je te dis, c'est vraiment, on l'a déjà entendu, inquiétant sur sa forme, c'est pas le genre à cacher ses problèmes. Non, mais là, c'est dernière. Aucune trajectoire de balle, c'est un problème de vision. Comment tu peux retomber aussi bas? Mais j'ai la côte, hein, j'ai des mauvais timings, j'ai mal les trajectoires, sûrement un problème de concentration, de lecteur du jeu. Et surtout, j'ai du mal à l'expliquer. Après, il y a une fatalité. Elle-même, tu sens qu'il y a une fatalité dans ses mains. Elle peut renclencher vite. Il y a juste l'année dernière, avant Badenbourg, un mois avant, elle n'arrive pas à poser pied par terre, elle avait mal aux pieds depuis des mois et des mois, elle ne trouvait pas. Et vraiment, elle ne jouait plus rien. Et un mois après, tu sais pas comment, elle fait 40 matchs, elle en gagne 35. Il y a un Roland, il y a 2-3 ans, un des Rolands du Covid, pareil, elle arrive sans résultat, elle fait quand même 8e. Et elle paume, je me rappelle, c'était Svitolina, ils avaient ouvert, il y avait un vent du diable et Caro Garcia sur le vent. C'est comme, c'est comme le tombeau quand il marche la première fois, tu sais que ça va se cracher direct. C'est pas le jour du Nadal Federer aussi. Je sais plus, mais ça avait été. Non, je crois pas, parce que il me semble que c'était l'homme, donc peu importe. Mais elle peut, ça peut redémarrer. Ça peut redémarrer vite, mais. Voilà. En plus, elle a un tableau. Elle est 5e mondiale, elle peut pas avoir un mauvais tableau. Non, là, c'est ouvert. Mais sauf qu'aujourd'hui, elle peut perdre contre 50 joueuses. Trevisan ou un truc comme ça, je crois, sur Terre, au deuxième ou troisième tour, par exemple, si elle y va. Ouais, bon, ça, déjà, typiquement. Déjà qu'on y soit. Ça va être très compliqué. La moralité, c'est ça. C'est que de toute façon, c'est Caro, c'est même pas une question d'adversaire. Ça peut le devenir. Tu sens que, regarde, l'année dernière, elle joue quand elle est vraiment au top. Il y a 2-3 joueuses sur lesquelles, même au top, tu sais pas, sur Sabalenka, sur Swiatek, tu peux paumer. C'est-à-dire que tu peux paumer en demi. Oui, mais c'est acceptable. Mais là, avant d'arriver. Après, c'est Caro. Franchement, t'es à l'abri de rien. On a quand même envie de voir un peu de fly Caro à Roland. Il suffit qu'elle gagne deux matchs, un peu à l'arrache. Mais après, pour Caro, il faut qu'elle soit confiante. Il ne faut pas qu'il y ait de vent. Il ne faut pas qu'il pleuve, parce qu'il ne faut pas que la terre soit lourde. Ça a l'air d'être pas mal en ce moment, les conditions. Là, franchement, on est parti pour un beau Roland bronzage. Ouais. Là, on est sur un Roland anticyclone. Je vous raconte pas si Rafa avait été là avec, le soleil. La balle, elle faisait ça, elle montait à 4 mètres, tu t'en sortais plus. C'est 3 mois, oui, il est temps. C'était tellement un Roland pour Rafa. Ah, je vais aller sur le Langlen à 15h. Au lieu de ça, ça va être un Roland pour les coups à plat de Medvedev. On n'avait pas prévu. Est-ce qu'on va, on va passer au quiz, monsieur? Mais oui, évidemment. Il est déjà 23h12. On n'a pas, les buzzers, j'ai oublié les buzzers. On a un pot ce soir. Je sais pas si c'est intéressant. Ah, tu voulais les buzzers? Les buzzers, mais je crois qu'ils sont loin. Je suis. Ouais. Au cœur, vous tapez fort sur la table. Moi, je suis relié à un fil. Je peux. Ouais, Mike aussi. Mais... Il les a, il les trouve. Oui, il marche. Ouais. Allez, un quiz sur le dernier Roland Garros avant l'ère Rafa. C'est assez prévisible. Assez prévisible, mais il y a de la surprise. T'avais dit qu'on allait se marrer. Oui, parce que ça va être dur et parce que j'ai trouvé des indices cons. Voilà. C'est quoi le principe? La première question, c'est sûr, quiz. La première question. Alors la première question, il y a plusieurs points parce que. Alors la première question est un peu chiante. Je veux le nom des 5 premières têtes de série dans le tableau masculin de ce Roland Garros 2004. Voilà. 2004, c'est pas totalement la préhistoire. Il y a des joueurs contemporains. Mais bon, pas. En fait, non, en vrai, il n'y en a plus un seul qui joue. Voilà, bon, bah, c'est. Oh, t'es dur. 2004. Roger. Attends, les 5. Non, ouais, ça fait un point par. Roger. Derrière. Il y a Roger, ça fait un point. Nalbandian. Il n'y a pas Nalbandian. Attendez, quelle année t'as dit? On est en 2004. Correa. Il y a Correa qui est tête de série numéro 3. Ça fait un partout. Il n'y a pas Guga. Est-ce qu'il y a Gaudio? Il n'y a pas Gaudio non plus. C'est Gaudio qui gagne. Non, Söderling. Ah oui, non, pardon, c'est Lano qui gagne. C'est trop loin. Il en reste 3. Donc on a dit quoi là, dont... Correa, Federer. Ouais, Federer, Correa, Ferrero. Ça fait 2-1 pour toi. Bah, Moya, il n'y est plus. Moya, ça fait 2-2. Il en reste un qui n'a pas gagné, qui est un beau. Correa. Non, qui est un beau joueur, mais pas de terre battue. On arrête avec les Espagnols. On arrête avec les Espagnols. On arrête complètement avec les Espagnols. C'est juste très bien classé. Enfin.
à l'ATP. Ça a gagné quelque chose un jour ou... ça a gagné quelque chose, mais ça a beaucoup perdu contre le, la tête de série numéro 1. Il n'y avait pas Federer, il aurait plus de grands chelems que... Roddick. Andy Roddick. Ah, Roddick, oui. Andy Roddick, beau joueur. Donc ça fait 3-2 pour Julien. C'était le tirage cadeau. Oh, Andy, putain. C'est plutôt serré pour le moment. Alors celle-là, elle est difficile. Et puis Emery qui a bien participé. Ouais, bah, je... Elle est difficile. il tient la chandelle, Emery. Cette année-là, les trois derniers Français en lice échoueront en huitième de finale. Je veux leur nom. Un indice, bon courage. Nicolas Coutelot. Non. Cette année-là, 2004 alors. Oui, 2004. Arnaud Clément. En 2004, les trois derniers. Non, lice, mais il y en a un. Paris Santoro. Pioline. Non. Non, mais en Fabrice. Nicolas Escudé. Nicolas Escudé, c'est oui, ça fait 3-3. Mickaël Liodra. C'est oui aussi, ça fait 4-3. Le dernier et plus improbable, c'est son meilleur résultat ever en Grand Chelem. Bas Santoro, qui était oxy après. De Shepherd, non. Non, merde. Jean-René Lisnard. C'est dans ces vibes-là. Non, c'est vraiment. C'est vraiment. Et je me rappelle même que Liodra, il a balle de match en 8ème qu'on veut être Team Edman. Il faisait beau cette année-là pour Mickaël Liodra, ça rebondit, ça kickait. C'est difficile. Olivier Mutis. C'est Olivier Mutis. Allez, même chercher. Ça fait combien? Ça fait 5-3, c'est ça? C'est ça. Ça fait 5-3. oui, Roger Federer est quant à lui sorti au troisième tour. Le tirage au sort ne l'avait pas gâté. Contre quel ancien vainqueur de Roland? Quartel. Il perd contre Guga. Ça fait 6. Ça fait 6. Tableau féminin, on va parler du tableau féminin. Ça, je promets rien sur le tableau féminin. Donc on a remporté un quiz 2004 en fait. Enfin, un quiz 2004. Parce que il était né, Marie. Hein, c'était né. Ouais, non mais moi j'ai zéro mémoire, mais on fout, tu me demandes des trucs il y a plus de 10 ans, je peux pas. C'est comme ça, je peux rien. Qui remporte le tableau féminin en 2004? C'est sa seule victoire en Grand Chelem. Une des deux Russes. C'est une Russe. Dementieva. Non. Miskina. C'est Miskina. Putain, c'est quand même dégueulasse que tu l'aies parce que j'avais un indice quand même. C'était quoi? Son nom veut dire la pauvre en arabe. Oui. J'avais quand même le meilleur indice. Miskina. Aucun souvenir, aucun. C'est son seul grand chelem. Je trouve que le monde entier était pour Dan Siva, ce qui était blonde et plus jolie, et en fait, Miskina qui a gagné. Ah, c'était le monde d'avant, ça. Hein. C'était vraiment le monde d'avant. Mais moi, je suis incapable de. En fait, je vois des trucs à peu près, mais resitue en 2004. Bah, Justine Hénin perd très tôt cette année-là. Et Moresmo. Moresmo perd en quart. Elle perd en quart. Ouais. Il y a d'ailleurs Serena, il y en a une des deux qui sort Serena en demi. Ouais, je crois que Serena perd en quart aussi. Ouais. Alors, la France n'est pas sortie bredouille de ce Roland 2004. Wow. Gasquet Golovin. Ah okay. Oh oui, j'allais. Allez, un joueur, papa. Ok, bon. il est vraiment beaucoup trop fort sur ce Roland. Non, mais là, oui, moi je l'avais vu venir aussi, mais beaucoup moins de rapide. Bon, on repasse chez les hommes en 2004. Ouais. T'as aussi répondu à cette question déjà. Je veux le nom des quatre demi-finalistes. Il y en a trois qui sont argentins, il y en a un autre qui ne l'est pas. Donc, enfin, le nom des deux autres demi-finalistes, à part Correa et Gaudio. Ferrero? Non. Berberk? Non. Et il y a un autre argentin? Il y a un autre argentin, il y en a un qui ne l'est pas. Nalbandian? Nalbandian, oui, c'est bon. Et il y a un quatrième qui n'est pas argentin et qui n'est pas Federer. Et qui n'est pas, espagnol. Et qui n'est pas espagnol. Il n'est pas espagnol. Non, il n'est pas espagnol. C'est quand même est-ce qu'il est dur ou pas? Bah non, puisque tu as dit son nom tout à l'heure. J'ai dit plein de noms. Alors, pour le coup, je l'aurais jamais vu. Ah, la Gunga, du coup? Non, on l'aurait jamais vu faire un dernier carré sur terre battue. Cagnas? Roddick? Roddick. Edman, il l'a dit. Mais oui, putain, Edman. Ah, moi, j'ai pas du tout entendu Tim Edman. Ah oui, d'accord. Tim Edman, qui est complètement nul sur terre battue, qui nous sort le Roland Garros de Seine. Mais je vous dis, il faisait beau et c'était un Roland pour les servants volleyeurs. Yannick, c'était soit lui, soit Liodra. Donc voilà. Bon, alors 2004, c'est aussi l'année du plus long match de l'histoire du tennis avant. Avant le Clément Santoro. Clément Santoro qui s'est. Ben non, justement, je veux la durée. 1h33. Non, faut consulter là. Mais non, mais c'est resté pendant Berger, il ne l'a pas dit. C'est resté pendant 10 ans le match le plus long. Ouais. Non, mais de là à retenir à la minute près, enfin, les gens qui connaissent, voilà, comme Nico, ils disent bon, 6h44, tu vois, 6h22, 6h30. On s'y connaît, pas. Je suis sûr que Julien, il met son réveil tous les jours à 6h33 en hommage à ce match. C'est comme ça qu'on devient chef. Bon, il a déjà gagné, mais une
Une bon, dernière question sur ce match. Combien de jeux ont été disputés entre les deux hommes dans le Alors, dernier set? Alors, ça, j'en ai aucune idée. Ah, de jeux dans le dernier set? Ouais. Moi, je pense qu'ils finissent à 16-14. Non, ils finissent 13-11, un truc comme ça. C'est une bonne réponse. 16-14. Ah je crois que j'ai jamais vu quelqu'un marcher autant sur un quiz. Je suis vraiment en état de sidération. Le mec dit non, ah, celui-là, je l'ai pas. Ouais, bah 16-14. Oula. Oula. Chute du son. Chute du son. Chute de la console. Bah, ouais, non, mais. C'est une victoire bah, désolé, assez logique. Désolé, Mathieu. Chapeau bas. De Julien qui a gagné. Il arrivera tous les matchs de Roland pour sa peine. Voilà, bon. Franchement, je fais un quiz sur la Ryder Cup, il aurait fait. Et comme on est pareil. Sympa, on en est c'est le mec qui a répondu à aucune question qui fait Roland ici. On en, et ouais. Pendant les 15 jours. On en est où, Lucas Pouille? Ah, on en est où? Lucas, c'est gagné. Attendez, on va vous dire, ça. Je vais vous dire ça, mais Lucas, je pense. On nous tient même pas au courant là, dans le chat. Dans le chat qui est très actif. Pourtant, je sais que ça cause. Ouais, ça cause, mais il n'y a pas de résultat. Écoutez, ça signe des autographes. Oh là là, ça sent bon. Bravo Lucas. Ce que je peux vous dire, c'est que ça sent bon. Yes. Allez, il va nous faire 2-3 jours. Lucas. C'est début, la belle victoire. Il va nous alimenter un peu. C'est médaille olympique l'année prochaine, ça. Il revient pour les JO, Lucas. Le tennis, c'est pour toi. 6-0. Ah bah, Nico, il a mis 6-0. Ah ouais. Radio 9, il a débranché le radiateur, là. Ouais, moi, je vous le dis, Lucas, là. Il arrive lancé comme un frelon. Oh là là. Et Alcaraz, il va nous sortir Casper Ruud. Bah, franchement. La France entière et le monde entier sera pour Lucas Pouille. J'espère qu'ils vont le mettre, qu'ils le laissent sur le 14 là. Il va être bien, il est bien. Non, après, c'est clair, il faut pas si c'est Casper Ruud, ils vont mettre ça sur un anglais. Comme si Casper Ruud était un Simone Mathieu. Ouais, Simone Mathieu peut-être. Parce que ça reste Casper Ruud, le Langlen. Moi, j'ai des places pour le vendredi pour le Langlen. C'est ce que j'ai à dire. Et j'ai misé sur le dernier français. Ou l'avant-dernier, parce que sinon, on sera sur le centre. C'est bien placé en tout cas. J'espère qu'il fera beau. Bon, bah messieurs, c'était cool. On n'a pas eu de problème de connexion entre nous. C'est non, quand même, c'est sympa. Un quiz disputé. Un quiz très disputé, très serré, qui s'est joué à seulement 70 points. J'en regrette même l'époque où les quiz étaient marrants. Au moins, on se marrait. C'est vrai que moi, les connaissances dans le sport. Pas toujours faire des quiz drôles. Voilà. Merci, Will. C'est génial. Tous, pas la semaine prochaine. Bon, on se dit à la semaine prochaine. En effectif, je sais pas. Alors, il y aura pas Emric, nous on sera là. Il y aura pas Emric qui sera. Pour le moment, on n'a pas d'invité au panier. Si, on a un invité. On a un invité au panier. Ah si, oui, c'est ça. Il a rempli les portions. C'est vrai, il a rempli la. Mais là, on remercie Antoine pour son travail acharné. Et bon, on se dit. Allez, bise. Et bon Roland tout le monde.